Hey, bonjour à toutes et à tous, et c'est de nouveau un petit épisode de Project Zomboid, couvert par Katox qui bute la moitié des zombies de la ville pendant que moi je parle comme un gland. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va taper. Je vais poser une question à Katox pendant que tu passes devant. Est-ce que si je tape, ça te met des coups? Non, ça te met pas des coups. Hein. Non. Alors, je tenais à dire quand même, parce que ça vaut le coup d'être dit, sur mon personnage, il y a marqué « a survécu un jour ». Bah du coup, moi aussi. Hein. Bravo, Dame Ned. Merci. Il y a marqué « va se faire foutre ». J'aurais clairement pas parié sur toi. Bah moi non plus, et pour toi. Eh, je connais un super magasin, mais il faudrait qu'on aille au Twiggies maintenant qu'il fait jour, là, pour nettoyer. Tiens, des bêta bloquants, c'est bien pour vous, ça, non? Ouais, j'en veux bien, là, pour le coup. De toute façon, moi, j'adore toutes les pilules. T'es prêt? Attends, je te la mets par terre, là. Ouais, vas-y. Hop, là. J'ai trouvé une alliance. Cool. C'est parfait, on peut se marier. Cool. C'est mignon. Alors... Je crois que c'est bien, la hache. Je dois désinfecter. Attention, ça fait du bruit, quand même, hein. T'es blessé, Katox? Ouais. J'ai des bandages hein, si besoin. J'ai un petit bandage adhésif. J'ai trouvé une carte de Muldrow. Bon, on va la prendre. Ouais. Tu connais par cœur, toi. Bandages, c'est bien. On va au Twiggies, il faut qu'on aille au minimum déposer nos affaires. Oh la faut vache. Trouver un... le plan ici, Sine, ça va être de retrouver une... Une voiture. Une voiture et de l'argent. Donc on va continuer vers l'ouest. Tu sais que tu passes discrètement, mais moi non. Hein. Et ils vont tous au nord encore, hein, c'est pas possible. Ils sont en train de migrer là, c'est une horde, ils sont en train de migrer. Viens par là, viens au sud, viens au sud. C'est le temps des transhumances des zombies. Attention, et là tu fais E. Ouais, on peut passer, pas de soucis, ça je connais. Non, on peut pas sauter par dessus. Ça c'est bon. Ici, tranquille. J'ai compris. Attention. On va aller là-dedans. Encore un peu de mal avec les réflexes et tout. Un petit cabanon. À quel point les zombies nous suivent? Si là on rentre en ferme, ils nous détectent? Non. Les zombies, ils peuvent casser cette espèce de grosse barrière, là? Non. Mais ils sortent d'où, là? Ils font le tour, c'est ce qu'on devrait faire. Tu voulais aller dans les chiottes, bah, cassons-nous, alors. Bah, je voulais me cacher. Regarde, ils ont fait demi-tour, ils sont partis. Ah, c'est bien, ça. Ah, je peux pas donner le coup de base de baseball, ça tape dans les armes, fait chier. On est d'accord, on pète pas de fenêtre. On va prendre un endroit un peu plus dégagé, je sais pas où t'es parti. Attends, on va forcer un petit peu. Je longe le bâtiment vers le haut, mais il y a un gros pack de zombies. Descends. Hop. Toi qui as de la force, essaye de forcer. Oh putain. Attends, parce qu'il y a plein de zombies qui reviennent là. Hop, ah bah c'est normal que t'as l'épée là. Eh bah... Pourquoi j'arrête pas de... En fait, cassé la vitre. Derrière toi. Ouais. Ah non, j'ai pas cassé la vitre. Oh putain. Avance, faut avancer. Allez, on va courir. Passe par ici. Hop. Oula. Ça continue d'arriver, hein. Ça stresse les doigts, hein. Le tue pas, couche là et puis on se casse. Ouais, c'est ce que j'essayais de faire, j'ai mis un coup sans faire exprès. Ah putain, il y a une barrière. Donc là. Allez, on va longer ici, pour l'instant il n'y a pas de souci avec ça. Là, j'avais trouvé plein de couteaux de cuisine, ils sont tous cassés, quoi. Ouais, bah là, il y a du monde, hein, putain. C'est un peu le drame, hein. Bon, c'est que le début de l'invasion, on s'est un peu foiré dans notre téléportation, les gars. Un peu beaucoup. Je suis sûr que c'est de la faute à Slan. Ouais, je suis sûr, c'est son serveur qui a lagué. Il a connecté sa CB et puis ça a fait un... Et on est parti, beaucoup trop tard. Donc, on est arrivé, hein. Bon. Je vous confirme qu'on est bien en mars puisqu'on est le 3-11. Bon. Alors, on est aux États-Unis, hein, c'est ça. Slan, pour forcer, en fait, il faut juste faire des clics jusqu'à ce que ça s'ouvre. Pas de spécial. Ouais, mais si t'es fatigué, ça marchera jamais. Je suis pas fatigué. Tu vas juste te fatiguer, pouce. Putain, mais tu tabasses à coup de batte de baseball sa tête là, il peut mourir ou pas? Mais là, on a plus de zombies, on va. Tu peux casser la vitre à coup de hache. Pour toi. Tu retires le verre baiser. Sentir venir. Bien sûr. Allez hop, on y va. Il faut que je m'assoie, moi. On va essayer de rentrer dans cette petite maison là. Même si on me le demande pas, mauvaise idée. Ça grouille. Même si on me le demande pas, le faire, ça fait pas de mal. Voilà. Faire de quoi se reposer? Ouais. Moi je suis à bout de souffle. Il y a une fenêtre cassée, ça sent pas. Non, mais moi non, mais si je le fais, ça retarde quand même mon état, j'imagine. Même si je le vois pas. Non. J'essaye celle-là pour voir. Ok, d'accord. Non, mais c'est parce que t'as rien glandé, c'est tout. Très bien. Je suis apprécié dans cette série. Ah, t'as juste le valeur.
bien sûr. Mais non, mais t'as un perso qui est costaud comme tout, qui est inépuisable, qui est intuable aussi. C'est vrai. C'est normal. Par contre, il a faim. Ouais, j'ai rien à manger. Mais je crois que j'ai des frites fraîches. Ça s'entend quand je mange des chips, là? Moi, je fais le même bruit en mangeant des frites, moi. Tiens, chocolat. Ah, mais t'es pas obèse, moi. Oh, y'a une arme de zombies qui se Si, mais... Si, je suis obèse. Mais j'attends d'être à très faim pour manger. C'est cassé, ça, non? Ouais, c'est cassé, fais attention des zombies qui vont sortir. Ok, ici, vas-y, tu peux rentrer dans la maison. Du coup, t'as fouillé, y'a rien là-dedans? J'ai pas fouillé, non, je me repose. D'accord, bah y'a rien. Un grand sac de randonnée, si tu veux. Y'a une gomme et un stylo rouge. Que dalle. Si tu veux un stylo rouge comme arme. Tiens, je te fais un cadeau, je le pose par terre. Ah bah voilà, tiens, une petite tomate, c'est parfait. Pas la cloche avec tomate. Ah oui. Mais Fito, je vais la tester, hein. Ouais, bah tu la testeras quand j'aurai besoin de faire que quelqu'un fasse une diversion. Par exemple, là où quand on va arriver au Twiggies, vu qu'on a plus de bagnole. Je vois pas de quoi tu veux parler. Tu vas sonner la cloche, et puis après, bah tu pourras, tu fais ce que tu veux, tu vas vivre ta vie. Moi je vais aller, Je sais même pas comment tu peux la sonner, tu peux la mettre que en arme principale. Tu peux la mettre en objet principal et après. Mais je sais pas. T'as rien, t'as pas d'option? Non. Clic droit, utiliser un objet principal. C'est vu son intelligence, tu peux simplement. Et tu fais. Et quand tu fais bouton de droite, tu maintiens le bouton de droite et après tu cliques à gauche. Bon bah c'était un peu de la merde cette maison. Hein. Ouais, mais ça nous a permis au moins de couper le visuel avec les zombies. Il y a un deuxième sac de randonnée si tu veux là. Oh, ouais, ils ont des sacs. Bah, je vais le prendre quand même. Non, vous joignez quand vous voulez. Hein. Il faut prendre des grands sacs. Vous pouvez emporter jusqu'à 3 par personne. Hein. Je peux le remettre sur mon dos? Non, tu peux en mettre un en arme principale, un en arme secondaire, un sur ton dos. Ah ouais, mais on va te gentil. Pour l'instant, j'ai ma batte de baseball en arme, ça me suffira. Attends, on va avancer par. Un sac à dos lycéen, ça doit faire du dégât quand même. Ah là, il y a un magasin là, peut-être savoir où. Ouais, on va se mettre par la porte là. On, on va déposer nos affaires. Vas-y, rentre. Et quand on aura déposé nos affaires, on va aller s'équiper à la quincaillerie, je pense. Ah merde, t'es passé par la fenêtre. On va essayer de trouver des haches et des sacs. Quand tu le souderas, on va contourner la pizza par l'extérieur. On redescend. T'as peut-être les tuer ceux qui nous suivent. Pourquoi est-ce qu'on a trouvé de zombies? Non, ouais, faut pas les tuer. Tu les verras largement avant moi parce que je les vois pas. D'accord. Bah, Ah putain, il y en a partout quoi. On est pas du tout guise. Bon, là, on va avoir un souci. Damned, si tu vois ce que je vois. Voilà, on descend par là. Oh la vache! Voilà, Là, on peut commencer à marcher. Marche. Bah, je peux les attirer moi, mais. De toute façon, il va falloir, hein. Ouais, vas-y. Allez, c'est parti! J'ai une horde sur moi que vous pouvez pas voir, mais j'ai une horde derrière moi. Tiens, mais passe par ici, on espère qu'il n'y a pas grand peuple par là. Ouais, vas-y, passe à travers les arbres. On y va. J'arrive. Fais attention. Oh. Et il faut pas les attirer vers le centre-ville, hein. Faut aller vers là. Et faut surtout pas que t'ailles dans les bois. D'accord, ouais, parce que moi je vais pas vite dans les bois. Ok, il y en a un zombie, mais laisse-le tranquille, c'est un lent, donc on va le J'espère qu'ils nous suivent tous, hein, c'est pas sûr, hein. Non, pas tous, ah, bon, on est revenu au Gwenys, dis donc. Ouais. Merde, je t'ai perdu. Ah non, t'es là. Si je me rappelle bien, il y avait une voiture qui avait encore des clés un peu plus haut, mais elle avait pas d'essence. Donc en gros, on doit descendre, trouver un bidon, transporter de l'essence, remonter. Ça a son service, j'ai rien pris, hein. Il y a des jerrycans, hein, sûrement. Ok, bah, je vais en chercher un. Descends. Je vais mettre derrière toi pour la bagnole. Tape sur un zombie avec ta hache. Voilà, viens, ça sert à rien de le tuer. C'était pour faire du bruit. Ouais, ouais. Y'a pas de contact rien du tout, ça sert à rien. Sinon, il y avait une clé sur le contact un peu plus bas du Gwenys. Là, j'avais popé là et quand je marchais, j'en avais trouvé une. Tu crois qu'on a encore une horde derrière nous? Ouais, je la vois. On va regarder, on va essayer de trouver. Je suis pas assez dézoomé, oui, pour la voir. Ouais, elle est petite, hein. Enfin, je sais pas, je vois pas bien. J'ai l'impression qu'il y a pas grand monde, moi. Si, c'est bien, on est tranquille. Le problème, c'est que je peux pas courir, moi. Ah, t'es encore fatigué? Ah, nous sommes je suis épuisé depuis l'année. Ah, merde. Ah, on peut passer par-dessus celle-là, d'accord. Okay. Ouais, les petites, on peut passer par-dessus. On va vite checker si s'il y a pas la clé quelque part. Mais à mon avis, enlever la... J'ai fermé le truc, là, mais...
J'ai un peu de mal avec l'inventaire, j'avoue. Il y a un sac à dos ici, je vais le prendre. Pour pouvoir enlever toute la horde, il faudrait tirer des coups de fusil ou un truc dans le genre. Ouais, mais on peut pas encore accéder. Ouais. Donc il faudrait que je sois rechargé avant. Mais n'importe quoi. Histoire de bien les dégager, quoi. Eh, viens, on va chercher une bagnole, on s'en sortira pas, ça. Non. Oh là là, c'est complètement con, ça. Comme je peux pas courir, je compte sur toi. Pour? Bah pour me sauver. Ah oui. Voilà. Non, c'est pas ça, c'est ça. Ouais, ça y'a pas de problème. C'est quoi cette zone de mange? Merde, c'est fermé ça. Ouais, c'est tout fermé, faut trouver les clés du commissariat par ça. C'est le commissariat de police ça? Ouais. Ouais. Oh. On n'a pas réussi à trouver nous. Non, j'ai... Damned, ouais. J'ai du whisky, c'est très important, ça peut servir de désinfectant. Est-ce que tu veux boire une bouteille? Je suis sorti et je descends. J'ai une bouteille de whisky sur moi, okay, aussi. Je te suis. Bon, mon inventaire ne veut pas disparaître, ça me fatigue ça. Je suis pas sûr que j'en ai une grosse utilité tout de suite, si. Mais t'as peut-être verrouillé le truc au-dessus. Non, justement, ouais. Il est bien la petite flèche là, mais. Bah, la petite flèche veut dire qu'il reste. Ah, d'accord, faut mettre l'épingle pour qu'il disparaisse. Oh putain, oui, c'est ça. Ok. Ah, oui, mon inventaire normal, effectivement, il est pas. Putain, mais tu l'as one shot quoi. Bah non, je l'ai tapé depuis il y a quelques temps. Tu voulais la tuer, elle. Enfin, lui. Elle avait failli m'égratigner. Ah oui. Ah, enfin, la fin de la palissade. Ah bah, punaise. Ouais, c'est cette voiture-là qui a du carburant et pas de... Enfin, qui a les clés, pas de carburant. Okay, alors, pour ceux qui ne savent pas, je rappelle que vous pouvez aller sur Google Maps pour voir la map du pays en vrai, parce que... ce qu'ils ont modélisé, c'est une vraie zone, ouais. Un endroit juste à côté de Fort Knox, au sud de Louisville. Et là, on est à West Point, et vous trouverez West Point sur la carte, au nord de Muldrow, avec... voilà quoi. Et vous pourrez voir toute la ville. Descends un peu plus derrière les arbres, on est plus tranquille. J'arrive, j'arrive. Bon, on est à la station essence. Hein. Bah, on trouve... Ah, mais pas la même qu'eux aussi. Non, pas la même, bien sûr. Mais je prends du carburant parce que quand on va trouver une bagnole, on n'aura pas d'essence. Bah non, on en a une bagnole, hein. Je vois pas de quoi. Franchement, c'est pas compliqué. Hein. Bah vous avez une bagnole, mais pour l'instant, on a probablement enlevé une vingtaine des 400 zombies qui sont devant le Twiggies. Voilà, pas mal, c'est pas mal. Plus que 380. J'en avais quand même tué 44 tout à l'heure avec la voiture. Tu rentres pas dedans, non? On s'en fout. Ah, oui. Au total, bah, j'ai fait 70. T'as vu une bagnole à l'intérieur? Non, mais peut-être autre chose, j'en sais rien. Comment ah oui, il y a autre chose, c'est ici, sûr. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de prendre plusieurs jerrycans. On va prendre la première voiture, on va aller à la deuxième et on va remonter avec les voitures. Ah bah, à l'autre, il n'y avait pas de clé, je croyais. C'est un garage, ça? Si, l'autre, les clés sont dans la boîte à gants. Il n'y a pas de voiture dedans, non? Hop, j'ai jerrycan d'essence, voilà, j'en ai un, il est plein, c'est cool. J'en ai un autre là que j'ai pris qui est vide. Ouais. Je suis sur le parking en face, Damned, mais il n'y a pas de bagnole. Ouais, ouais, j'ai vu, ouais. Moi, je remonte plus sur la gauche. Batterie de voiture. Non, si, c'est tout de suite ça. Ouais, non, il y a un restaurant burger, mais il n'y a pas de bagnole non plus. C'est une usine très pratique, il y aura plein de caisses à fouiller ici. Est-ce que t'aurais de l'eau à tout hasard, Katox, faut que je boive un peu. Il y a dans les toilettes là-bas. Bon, ça, c'est un burger shop. Je suis pas obligé de boire. Ah, ouais, non, ça, c'est très bien ça. Boire, ouais, parfait. Ok, j'ai un jerrycan et j'ai un jerrycan vide. J'ai deux jerrycans vides, je crois. Parfait, alors ce qu'il faut faire, c'est. Non, j'en ai qu'un en fait, autant pour moi. Ok, une voiture sur la route en état. Faut utiliser un objet principal. Pourri, une deuxième. Il faut alors faire attention parce que. Utiliser un objet principal. Va sur la pompe du dessus, ça va encore. Voilà. Ici, j'ai deux jerrycans d'essence. Fais gaffe parce qu'ils sont lourds, hein, donc. Ah, je me traîne, j'en peux plus. Tu veux pas essayer de rentrer dans une maison et te poser? Ouais, mais il faut. On est sur un serveur. J'ai pas changé la vitesse de repos en fait. Ah, mais. Ah, mais j'en avais deux effectivement en fait. Faut que je reste assis au moins 10 minutes. Tu peux en déposer un si tu veux. Ah mince, t'aurais peut-être dû le changer ça. Ouais, j'aurais peut-être dû. Foutre celui-là. Parce que ça va être très chiant en fait. Putain, ah oui. Galère. Ah oui. Voilà, je prends du carburant. Ah mais. Que. J'ai de très peu. On a deux et que je fais le bouton pour courir. Voilà. Et ben je monte à la fois ma force et mon endurance. Le deuxième, tu le remplis aussi. Ouais, tu m'étonnes, ouais, mais j'ai bon. J'ai deux jerrycans pleins du coup. Deux jerrycans pleins. On est revenu où on était là, non?
Ouais. On va remonter tranquillement, suivre le même chemin qu'on a fait, retrouver la, la voiture, remonter avec cette voiture là qu'on conduit, on remonte à la deuxième et puis on se... On essaie de retourner choper les deux autres qui galèrent là. J'ai l'impression que ça va être quand même très compliqué de récupérer le truc. À moins de faire avec une voiture, de faire un appât klaxonnant à mort et pour les éloigner tous. Oui. Mais ça va être chaud. Le truc aussi, c'est comment on virera les carcasses de notre base ensuite. C'est vrai que 380. Je l'ai démontré au chalumeau, je pense. On peut les cramer, les cadavres. On peut les enterrer. Mais si on passe à côté de là où il y a des cadavres de zombies, on tombe malade. Il y en a 2-3 devant notre future base. Ah ouais, d'accord. Attends. Là, il y a le local du motel. Il y a un local. Il y a des pour trucs charger, là, tu dois mettre quoi? Tu le mets en principal et après tu... Ouais, des chaussettes quoi. C'est non, ça, là, ici. Tu le mets sur le côté et puis tu fais ajouter du carburant. Charnière de porte. Écoute, poignée de porte. Dans la voiture. Moi je le fais. Ouais, non mais vas-y, ouais, je vois que t'es en train de charger. C'est bon, c'est à la moitié là. Ouais, bah je vais faire un... Allez, on y va. Bon, c'est la passe moitié. Par derrière. Tu vois c'est la chiant, deuxième voiture? J'ai trouvé une clé de bagnole et on peut pas monter et me guider. Ça correspond à aucune bagnole quoi. Bah ouais, ou... Allez, hop, zou. Bah tu vois le... là où on s'était stoppé tout à l'heure, le petit warehouse. Ouais. Ah bah c'est... elle est juste derrière. Mais attends, j'ai l'impression que c'est cette bagnole là, parce qu'il m'affiche une clé. Ah mais quand c'est... Ah, the lock elle est barrée ou elle est pas... The lock is broken, ça me dit. Ah bah voilà, fais le tour. Je te dirais de passer par la... Oh la mais route. Quel boulet. Oh là là. Ça sera peut-être plus simple, parce qu'à l'arrière tu vas vite... Alors ça va vite se souffler. Pas sûr. Est-ce qu'elle est bonne la voiture? Ouais, j'ai plus d'essence de toute façon. Ouais, t'en entends? Je suis en train de t'en mettre. Parfait. Parfait ça. Je vais faire la pas. Je vois que tu me couvres pas trop. Bah attends, parce que là je vais charger le coffre. Oh. Tu peux l'ouvrir? Ouais, justement, alors attends. Les gros paquets. Tu cries hein, quand on y est. Parce que... Et puis ensuite, tu sors le warehouse. Ah, du coup, je peux pas sortir de la voiture? Si, il faut que tu sortes par l'autre côté. Et il faudrait que tu viennes me couvrir. Donc en fait, il faut que je passe deuxième siège et que je sorte. Okay, voilà. Bah, et c'est toi qui as trouvé une bagnole pourrie. Ouais, ouais, bah, moi j'en ai trouvé une. Jamais content, jamais content. Non, alors, monter encore. C'est pas pour critiquer, mais c'est la bagnole dont j'avais vu la clé tout à l'heure. Ouais, ça va, c'est bon. Et dont tu m'as garanti que ça ouvrait aucune des bagnoles sur le parking. Bah, ouais. Ensuite, on a fait le tour entier de la ville. Et là, tu me dis, tiens, regarde, en fait, ça marche. Ouais, mais c'est pas grave, ça a fait un épisode comme ça. Comme ça, au moins, il vit. Pour le coup, c'était une fin d'épisode. T'as laissé les clés sur le contact? Jouer à PZ. Oui. Ah, il a eu le temps de monter quand même. Merci. Et... Je peux rester là, hein, au choix. On va pas tarder à y arriver, je crois. Ouais, tu vas où, là? C'est pas celui-là. Je sais pas. Il s'en va où, Slan? Je vais au magasin de sacs. Voilà, c'est ce paladin là, tu tournes vers la tourne à droite. Voilà, c'est la voiture qui est juste là. Je peux pas sortir. Ouais, mais bah, attends, on se fait des tours. Je couvre. Je rappelle qu'il y a le décalage. Hein. Tu montes dans la bagnole et puis tu fais un petit tour autour, que je puisse aller fouiller le sac, le truc tranquille. Bah, je veux bien, mais t'aurais pu me le dire avant quoi. Fais des ronds tant qu'ils sont sur toi, c'est bien. Essaye d'éviter qu'ils pètent une vitre ou quoi. Ouais, ça, j'essaie d'éviter quand ils tapent. Ok, je suis dans la voiture, hop, je prends la clé. Hop. Ah, mais merci Slan. Mec, il se barre, tiens, démerde-toi, vas-y, remonte dans la bagnole maintenant qu'il y a 20 000 zombies. Mais t'as une voiture, c'est fait court. Là, bah, la Master Horizon, c'est bon qu'il est. Ah, bah non, putain. Ouais, putain, c'est chaud, hein, franchement. T'as pas les clés, faut se faire mordre sur une connerie. Si, mais elles sont dans le sac et donc ils détectent pas qu'il y a les clés, voilà. Ah oui, d'accord. Mais bon. Je t'ouvre la porte de derrière si t'arrives à arriver. Mais à condition que t'arrives sans les zombies. Hein. Trop tard, je suis parti dans la bagnole maintenant. Vous voulez que je monte dedans, c'est fait. Pas de problème, bah, tu peux aller au Twiggies pour faire le voyage. Si t'as envie, moi je te rejoindrai à pied. Ça, tu me suis? Ouais, je m'accroche. De toute façon, c'est la... Pour les attirer, si tu veux. C'est la route à 4 bandes jusqu'à... Non,
Non, alors, tu vois, tu klaxonnes ici pour les ramener au Tourguise, c'était pas tout à fait le plan. Non, mais t'inquiète. Ah, d'accord, je vais faire un grand tour avant. Je suis pas bête. Arrête de t'inquiéter, Sam. Allez, venez, les gars. Ouh, venez, suivez-moi. Fais gaffe, tu commences à sortir de mon écran. Voilà. Ça les a éloignés de chez toi un peu ? Ah, ouais, sauf que, évidemment, il n'y avait pas de sac dans ce magasin. Il y a toujours des sacs. Ah ouais, bah alors là par contre je peux rien faire pour toi. Fais bien gaffe au... Eh bah je vais à la quincaillerie. Oh les lags, je vois ta voiture qui avance par à coup, j'ai trop de mon peur de me bouffer un peu. Bah moi je tente bah, de... reste ouais. Moi je reste sur l'extérieur au max. Ouais ouais, bah je me cale sur la même voie que toi, t'inquiète. Alors toi t'as la carte dans la tête, moi je l'ai pas hein. T'as pas grand chose dans la tête Damien. D'abord... Eh bah, là... qu'on a pris, c'est la rue qu'on a pris, c'était la rue principale. Et ben tu repars. Je passe devant le food market. Le Citrus Wave. Citrus Wave, je dois pas être loin là. Alors j'ai dépassé. Ah roule. Tu me suis toujours. Attention, on arrive au gros montage, on va faire tout doux. Normalement je suis derrière toi mais je te vois plus. Ok, je fais bien. À côté du food market où je vais. Hein. Ok, ça me dit quelque chose là où on avait tourné à droite. Ok, je suis devant le truc. Bon. Est-ce qu'il y a encore des zombies par là? Alors il y en a moins. Mais il y en a quand même. Donc, c'est parti. J'ai plus. Alors, je sais pas si c'est moi. Mais. Ah si, ça y est, je pense. J'ai l'impression qu'il y a une partie de la horde qui est buggée en fait sur les... sur les cadavres des bagnoles. Bon, je passe déplace... avec Donc je confirme, il y a un bug, il y a une partie de la horde qui est complètement buggée sur les voitures. Hein. Il bouge plus, il bouge pas du tout. Attention, on arrive au deuxième en route. Peut-être un peu beaucoup de zombies là où je suis. Je suis peut-être un peu dans la merde avec ma bagnole. Je vais peut-être mourir en fait. Ah carrément. Bah la voiture avance plus trop hein. Y'a tellement de zombies que... Je suis sur l'herbe en plus alors. Ah bah c'est parce que t'es sur l'herbe, ça n'a rien à voir avec les nombres de zombies. Bon bah ça va alors. Bah ça va ou ça va pas. Toujours est... Ouais ça va moyen mais... Ah disons que si tu vas lentement, ils vont avoir le temps de casser tes vies. Moi j'ai... plus de... On va faire un arrêt au croisement là-bas, s'il n'y a pas trop de zombies, je vais absolument bouffer. Et si possible, trouver un briquet, parce que j'ai pas... J'en ai un briquet, j'en ai un. Comme parfait, faudrait que tu me le donneras après, c'est bon. Ouais, c'est pas de soucis. Là, je suis un peu dans la merde. Ah, là, on arrive aux quatre bras. Hop, je me gare sur le premier qu'on voit. Ouais, par contre, il y a un bug, hein. La horde est. Je pense que la zone elle est morte. Hein. Oh, deux voitures, deux clés par terre. Si ça c'est pas beau. Donc, moi je dis faut changer de lieu là, malheureusement. Non, ouais, non. Ça c'est des clés par terre, tu vois. Ah, vous êtes sûr parce que franchement il y a. Ok, très bien. Bon bah. Allez, faut que je la tire loin d'ici maintenant. Parce qu'ils sont très 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 nombreux. Wouah, t'es fou! Je pose le briquet par terre. Hein. Ok, attention, il y en a un qui arrive. Ouais, vas-y, bonne chance. Je vais aller chercher de quoi faire un. Des bombes. Ouais, bonne idée. Pas de demi mesure, Axel. Hop, clac. Je pense qu'en faisant ça petit à petit, il y a moyen de les éloigner. Hein. Donc, ouais, bah c'est ce que tu vas faire, mais. Ouais, mais je vais essayer de rentrer par. Ah merde, c'est le vendeur de voiture ça. Il y a un distributeur de bouffe, peut-être qu'il y a un peu de bouffe dedans. Et j'ai pas mal de nourriture, ouais. Hein, s'il y a besoin. Moi je vais aller faire des bombes. J'essaie d'aller où? Plutôt en haut à droite de là où on est? Enfin en haut? Enfin en haut à droite? Enfin en haut à gauche plutôt? Katox. Ouais, c'est dans le claqué par terre. J'ai du chocolat, des chips, des carottes. Balance tes carottes. Oh, dis pas que je suis bête. Ouais, j'étais pas sûr justement. Hop, manger tout. Voilà, je suis passé à faim, c'est bon. Et bon, on peut reprendre. Alors, qu'est-ce qu'il me faut pour faire une bombe?
Parce que je suis le seul à pouvoir faire des bombes. Alors, on va dans ingénieur faire une bombe incendiaire. Il me faut un jerrycan, une bouteille vide, un chiffon. Ça va pas être dur, hein. Un jerrycan entier pour faire une bombe, ouais. Ah ouais. Ouais, mais attends, si tu vas voir ce que ça fait, ça nettoie tout, ça nettoie tout ce que tu vois à la map. Hein. Tu peux dézoomer tant que tu veux, ça fait exploser ton écran entier. Et toi avec, non? Bah t'as un terrain à couvrir. Vite. Il y a une bombe à cendre. Là, tu suis toujours. Je te vois en plus, principal. Mais je suis toujours sur la route. Quoi. Ouais, toujours tout droit, t'inquiète. Le briquet en secondaire et je dois pas cliquer sur la mauvaise touche par erreur. Tox, t'es où? Comment? On est en voiture, on arrive. Ah non. Non, on arrive à minute. Hein. Enfin, on est sur la route. Ouais. Et toi, Damnet? Bah écoute, je suis là en haut dans un champ et je klaxonne. Je comprends pas qu'il soit pas encore tombé en panne le klaxon. Comment je suis enfoncé tout à l'heure? D'aller, t'es où? Hein? Moi je suis au nord, nord-ouest de là où on était tout à l'heure. Pourquoi la voiture elle s'arrête à moitié? J'aime pas ça. Il y a des lags ou je sais pas trop. Bah, plus la carte doit se développer, plus ça doit la vie. Ou alors t'as plus d'essence. Non, j'ai de l'essence, mais putain, je. C'est bizarre, il y a des. J'ai des... Ah, c'est très désagréable, bordel! Attends, la voiture pas. Elle avance et elle recule d'un coup, quoi. T'es arrivé au virage. Toujours ça, t'es toujours là, Slan, hein? Je t'attends. Ouais, je suis toujours là. Ah oui. Je cherche. Je me suis dit, c'est bon. C'est bon. Non, c'est pas par là qu'il faut prendre. Ah, je t'en prends. Voilà. Il y a des maisons, un angle, une petite route, un grand champ. Ouais, non, mais faut que tu viennes là, faut que tu. Je te cherche? Ok, bah attends. Le tour. Ouais, deux secondes, j'essaye. Il y a du monde, je veux pas faire de conneries. Bouge pas, bouge pas. Okay. Arrête-toi, je descends, fais attention, reste pas dans mes pattes. Sûr de toi là, hein? Du tout. Déjà, j'ai plus de jupe. Ah, attends, bombe incendiaire et briquet. Fais gaffe, y'a du monde. Là, t'arriveras à la station incendiaire. Regarde bien ce qui va se passer. J'ai pas trop envie de regarder. Ah, ouais, y'a du feu, ouais. J'ai vu. On a la station essence dinosaurus. On s'arrête là. Très bien. Bah, c'est l'endroit où. Regarde le feu. Assez proche. Ils sont tous en, attends, en feu. Ah, ils sont tous en feu, ça ah, c'est bien. Tu peux faire ça. Le plein directement quand tu les mets là. Ouais. Allez, venez les gars, venez vous jeter dans le feu. Allez, c'est bon. Regarde, ils sont tous en train de brûler. J'ai vu ça. Alors, on va faire un petit détour, hein, tu m'en veux pas. Je préfère juste cette sécurité. Il faut aller. Faut que je reste par là? Ouais, bah c'est pas grave, sinon je vais rester moi. Non, non, non. Non mais là tu vas attirer des zombies qui... Oui oui mais on s'en fout, on s'en va après. Ah c'est ouvert là, parfait. Non on s'en va pas. Bah pourtant on n'est pas dans la zone ville, hein. Oui non mais bien sûr. Mais oui oui, non mais d'accord oui. Mais en fait tu crées des packs et les packs ne se défront jamais. Ah ouais d'accord. De plus la horde faut la faire tourner en rond. Parce que si tu la fais avancer dans la ville, elle va foutre le feu à toutes les baraques. Ah ouais mais ça fallait le dire. Mais là c'est risqué bah, de repartir dans... Et je t'avais dit de les attendre sur un parking. Ah oui. Bah écoute, on va aller dans le champ, hein. Voilà. Non, ils vont foutre le feu à toutes les baraques. Ils vont foutre le feu à la ville. Bah écoute, y a West Point. Ouais, on allait sauver West Point qui est en feu là. C'est compliqué ce jeu un peu. Non. Bah faut savoir lire. Moi je suis dans la. Faut savoir lire. Bah, je suis en train de traverser la ville, toute la ville est en feu là. Parfait. Bah. Tu retournes au Twiggies? En passant par l'herbe. Il me faut de la flotte. Par où tu veux, moi je passe par la route. Hein. On est à la station essence du dinosaure, la Fossoil. Ouais, bon, ça va cramer quelques baraques, bon. Et puis. Après. Qui ne l'a jamais fait. Les détails. Ah, t'as pris ma voiture? Non, tu fais le plein. Ouais, je l'ai rempli avec la pompe à essence. Ça, on a tous les deux le plein. Bon, j'ai peur que ça foute le feu à la bagnole surtout. Mmh. Parce que t'as la bagnole dans le... Je vais foutre des trucs dans le coffre. Ah merde, c'est fermé. Ouais, je vais remplir les jerrycans d'essence, et comme ça... Pareil, j'en ai deux à remplir, mais... Je voulais les déposer dans le coffre, mais c'est fermé.
Il y en avait 50 sur ma bagnole, donc je leur ai laissé la bagnole et je rentre à pied. Bah, si t'es par là, je peux te prendre, mais... Deux jerrycans dedans. T'es là? Tiens, bah voilà. Faut faire comment? Faut prendre la clé et ensuite aller prendre la clé et aller sur le coffre et... C'est par là, hein? Ouais, ouais. Tout à fait, c'est... C'est à droite. Et alors, tu t'ouvres voilà. Le coffre ou pas? Pourquoi il s'ouvre pas? Ok, comme ça, d'accord. Et puis à gauche, là. Hop. J'espère que ça a marché, surtout. Tout balancé, voilà, hop. Ouais, c'est par là, ok. Non, le problème c'est que j'ai pas de couteau. Ouais, il y en a encore, mais... Okay. Mais moins, quand même. Le problème c'est que j'ai pas d'armes, il y a des armes quelque part. Moi j'ai une hache, mais... Ouah, ça met long. T'as vu tous les morts autour de la bagnole, là? Ouais, c'est impressionnant, hein. Mais c'est pas bon. Oh, ils se lèvent! Mais ils sont pas morts? Non, ils sont pas morts, en vrai. Ouais, ça va être chaud, la zone, quand même, là. Oh, mais il faut nettoyer, c'est tout. Ça sera comme ça tous les 28 jours, hein. C'est vrai. Et je fais quoi, moi, mon dernier jerrycan, Katox? Bah, tu roules, tu écrases, ouais, tu écrases. Un petit tour, voir s'il y a pas des... Attends, je vais me mettre sur le béton pour prendre un peu d'élan, quand même. Journal, journal, du soda... Des petits pois, un peu. Oh la vache. Bon, j'ai 4 jerrycans dans mon coffre. Est-ce que à tout hasard, je vais pas garder un peu de bouffe avec moi? Ouais, c'est chaud quand même, hein. Oh, calories 270, dangereux cru. Ah merde. Des céréales. Mais surtout que c'est chaud de pas aller taper une bagnole, quoi. Ah, y'a tous les rampants là. Y'a plein de rampants ici, faudrait les rouler dessus, les rampants. Putain, elle ralentit d'un coup là. Bon, j'ai rien de bouffable rapidement. Mais bordel! Est-ce qu'une petite glace, ça se mangerait? Ah, tu l'as prise la glace? Ouais, j'étais vraiment affamé. Ouais, des chips. Je sais pas comment elle tient encore la bagnole, franchement. Je vais ranger les jerrycans parce que j'ai mis un réservoir de propane à l'arrière, c'est toujours utile. En fait, on en fait tomber plein! Allez, hop, bordel! C'est pas marqué que c'est dangereux, donc c'est pas dangereux. Ok, bon, on est bon, on essaie de les rejoindre. Ouais. Vous êtes toujours au Twiggies alors? Ouais, on est au Twiggies. Non, mais attends, il y en a à l'infini dedans ou quoi? Ah, dedans, il y en a une trentaine, c'est tout. D'accord. Je viens d'aller faire un tour. Non, mais ça va, parce que j'en ai vu sortir par la fenêtre, je commence à avoir peur là. Et ils m'ont suivi à l'intérieur quand j'ai visité. Bon, bah, je te suis. On va essayer de retrouver les clés, parce que je sais pas où il a rangé les clés, ce con. Ah, moi je les ai gardés sur moi, j'ai pas bougé. Tu les as mis dans le coffre? Vous gérez le temps de l'épisode, hein, les gars, hein. Ouais, ouais, d'ailleurs, mais... ouais, t'as raison, il est temps d'arrêter cet épisode-là. Je vous le dis, ah, ouais. Là, là. J'espère du coup que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, et on se retrouve du coup bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Mais on ne va pas mourir.